Alors, je sais pas si je suis en live, mais apparemment YouTube a bloqué mon orientation. Après avoir bloqué ma... Hello, je suis désolée pour tout le monde qui regarde. J'ai un gros bug de téléphone. Bon bah c'est pas grave, on va se la faire. Hello. Alors, je suis désolée, YouTube m'a pris mon... Je sais pas, il y a eu un problème d'orientation. Et comme j'ai changé de téléphone hier... Oui, je suis un peu traviole, effectivement. Alors, c'était pas prévu d'être fille en mode portrait. Mais voilà, je vais tourner en portrait. Comme ça, peut-être. Je suis désolée, je déteste les erreurs techniques. Et attendez, je vais essayer de vous retourner. Ouais, non. Alors, j'ai vraiment YouTube qui bloque. Tu ne fais plus de vidéos avec ta patte du gloss. Mais non, en fait, je travaille plus avec Maybelline. Ils ont plus de make-up artiste. Et attendez, fille, parce que là, j'ai le téléphone qui se casse la figure. Je suis désolée, hein, je déteste vraiment ça. Mais là, là, c'est pas possible. L'appli YouTube, elle bug, c'est un truc de taré. Donc voilà, je pense qu'on va être pas si mal que ça. Donc oui, pour répondre à la question de ta patte du gloss, en fait, je fais plus de... Hello Yasmine, je fais plus de d'émissions de ta patte du gloss parce qu'en fait, Maybelline a changé de politique. Enfin, ils n'ont pas renouvelé mon contrat de make-up artiste avec eux parce qu'en fait, voilà, pour les choix... mais il n'y a pas de nouveau make-up artiste. Donc, pas d'intervention de make-up artiste dans ta patte du gloss en tout cas. Et ça me manque, ouais, moi aussi, j'aimais bien faire ta patte du gloss. J'adore Marie, enfin voilà, c'était vraiment une émission qui se passait super bien et tout. Donc, puis je trouvais le format vachement bien, pas forcément quand j'étais là. Aussi quand il y avait d'autres intervenants, je trouvais ça assez cool. Et je pense que ça continue d'ailleurs, j'en ai pas regardé depuis. Mais voilà, donc en fait, je suis plus la make-up artiste de Maybelline en France. J'ai bossé 3 ans avec eux, ça s'est super bien passé, c'était vraiment canon. J'ai appris des tas de trucs, j'ai communiqué avec vous, enfin voilà. C'était vraiment très cool. Du coup, j'ai un peu une config pas forcément attendue là, mais j'espère que vous voyez bien que je suis pas trop haute quand même. J'aime pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc déjà, merci d'être là. Donc un nouveau rendez-vous au coin du feu. Je trouve ça assez fun au mois de décembre. Et en fait, aujourd'hui, je pensais vous montrer une bouche cacao. Parce que comment ça se passe quand je fais des lives et pourquoi j'aime faire des lives, c'est pour le côté vraiment instantané et pas calculé de ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de montage, etc. Je peux vraiment vous dire ce que je pense du produit. Et j'aime particulièrement tester des produits que j'ai pas encore utilisés. Donc, Yasmine me demande comment ça va dans ma vie pro. Ça va super bien. Je fais plein de projets intéressants. J'ai jamais autant travaillé que maintenant, donc c'est génial. Je bosse qu'avec des gens avec qui je m'entends, dont j'apprécie le travail et tout. Donc c'est top, top, top. J'ai fait quelques voyages, enfin voilà, tout est bien. Je viens d'avoir un nouvel agent qui s'appelle The Wall Group. Si vous voulez aller voir mon travail, c'est en ligne depuis une semaine. Et donc The Wall Group, c'est comme le mur groupe en fait en anglais. C'est une agence qui est plutôt basée à New York, à Los Angeles, et qui en fait viennent d'ouvrir un bureau à Paris. Donc c'est pour ça que j'ai intégré cette agence il y a à peu près 2 mois. Donc je devrais être amenée à faire peut-être un petit peu plus de projets à l'étranger, un petit peu plus de projets avec des célébrités aussi. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Revenons-en à notre live. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pardon, j'adore répondre à vos questions, donc à chaque fois je coupe, mais c'est vraiment pour la bonne cause. Magali, maintenant, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Et j'ai fait quoi comme études? Alors, tu peux retrouver dans ma vidéo « Comment devenir make-up artiste » un petit peu mon parcours. Et ça fait 12 ans que je suis maquilleuse. Donc, voilà. Revenons-en à notre le super lipstick. Donc, pour les lives, j'aime bien faire des choses pas très calculées. Donc, en général, je vais dans mon matériel, j'ouvre mes boîtes et je pioche un produit. Et là, j'ai vu ce lipstick de chez NARS que je trouve super beau, mais que j'ai jamais porté, que j'ai jamais utilisé en shooting. Et c'est plutôt le genre de couleur que moi, je porte pas trop, puisque j'ai les lèvres super petites et super fines.
Mais je trouve ça tellement beau que voilà, ça m'a grave tentée. Donc du coup, je vais essayer une petite application. On va voir ce que ça donne. Et voilà, live au coin de la cheminée. Alors là, si je peux ne pas m'en mettre sur les dents, c'est pas mal. Je vais y aller au bâton direct et après on verra comment on rectifie au petit pinceau. Alors, le truc avec Nars, c'est que c'est toujours hyper pigmenté, c'est génial. Je vais vous parler en faisant ma bouche, ce qui n'est pas l'idéal, mais je suis vraiment une pipelette, vous le savez. Je suis vraiment désolée pour le live d'hier, enfin d'avant-hier plutôt. J'avais diffusé une playlist pendant ce live et il y avait du Ed Sheeran dans la playlist. Et c'est ça qui a bloqué ma vidéo mondialement sur YouTube. En fait, dès qu'ils détectent une chanson, il y a des auteurs qui acceptent d'être diffusés mais qui du coup récupèrent l'argent de la monétisation de la vidéo. Et il y a des auteurs qui bloquent complètement. Et Ed Sheeran apparemment, c'est un fou furieux parce qu'il a bloqué mondialement la vidéo. Donc voilà, après c'est pour ça qu'il y a eu des gros problèmes de mise en ligne. Et que vous trouverez des silences dans la vidéo. Les moments où il y a de la musique sont coupés parce qu'il y a des copyrights. Ce rouge à lèvres, salut si tu viens d'arriver, on fait un petit test en live. Il s'appelle Aya et il s'appelle Audacious Lipstick Rouge à Lèvres de chez Nars. Alors ça va sur le dé en fait, gaffe. Hein. Je suis désolée aussi pour celles qui viennent d'arriver. J'étais pas censée filmer comme ça en portrait. Et en fait, je sais pas, l'appli a bugué et m'a obligée à tourner mon téléphone. Donc pour celles qui étaient là dès le début, désolée un peu pour tout le temps que ça a pris de trouver la bonne config. Et pour celles qui viennent d'arriver, du coup, vous aurez un live en mode portrait et pas paysage. Donc ça va être horrible sur les ordi, je m'en excuse d'avance. Donc ce lipstick est assez ouf. Par contre, il est vraiment, vraiment marron. C'est comme si on appliquait la plaquette de chocolat, quoi. Vraiment très beau. Là, je l'ai mis au raisin, donc il n'est pas hyper précis. J'ai aussi une très petite bouche, une bouche bien fine. Donc sur le bas, ça va à peu près. Sur le haut, ma bouche est plus fine. Donc je vais essayer de tricher un chouille par ici en grattant quelques millimètres. J'ai fait le gros débordement qu'il fallait pas. Alors, voir si je peux le rattraper. Bon, ça va, c'est pas si mal. Bon, j'ai un petit peu de... Un petit peu trop de lipstick ici. Je vais reprendre avec ce petit pinceau qui vient d'un produit à sourcils de chez L'Oréal, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. C'est une genre de brow pomade. En gros, c'est un gel à sourcils, entre le gel et la cire à sourcils. Et il y a ce, vous savez, comme dans les bénéfices, il y a ce petit pinceau qui vient par-dessus. Et il est très très précis. Donc ce que je vais faire, c'est que je prélève un petit peu de correcteur pour pouvoir vraiment la petite zone... Je sais même pas si ça se voit au téléphone, mais il y a une toute petite... Voilà, il y avait vraiment un petit millimètre de débordement. Donc, c'est corrigé, ça y est.
C'est pas mal, non? Avec le kaki et tout, c'est assez joli, je trouve. Ouais, franchement, dites-moi si vous aimez. Je vais en profiter pour lire vos commentaires et répondre à vos questions éventuellement. Alors, Alicia, cette couleur te va très bien. Merci beaucoup. On peut faire les yeux du coup si on met ce genre de rouge à lèvres. Alors, ce qui est intéressant, si tu mets un rouge à lèvres foncé, c'est de pas forcément trop charger les yeux. En fait, ça dépend un peu du look et de l'ambiance dans laquelle tu veux te mettre. Mais si tu charges les yeux, ça va vite faire un petit peu gothique. Tandis que si tu gardes quelque chose de très graphique, même avec une bouche foncée, tu vois, c'est assez joli. Là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais baisser un tout petit peu la lumière qui est par là, parce que perso, moi, ça me gêne. Et je vais rajouter, alors pas en make-up, hein, en vraie lumière, parce que j'ai une lumière qui est ici. Je vais la tourner un petit peu, parce que je trouve que c'est trop fort. Voilà, là, c'est beaucoup plus joli. Et en fait, je vais rajouter de l'highlighter et un petit peu de blush, parce que ce que je conseille quand tu fais un make-up avec une bouche foncée, c'est d'avoir une super belle peau et d'avoir une peau lumineuse, une bonne mine en fait. Ce qui va un petit peu équilibrer le côté goth et qui va éviter qu'on tombe dans un côté un petit peu trop dark. Après, si t'aimes le look goth et si t'as envie d'être un petit peu dramatique et tout, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi faire des yeux noirs, tu peux faire un smoky tiré, tu peux faire du doré. Franchement, ce serait super beau aussi en faisant une espèce de smoky mordoré. Pour les fêtes, ça doit être assez canon. Je vais essayer de voir vos autres questions. Perso, j'arrive pas à oser les couleurs foncées, que ce soit en rouge à lèvres ou sur les yeux. Alors, t'as vu, moi, je porte jamais de couleur foncée non plus. Là, je l'ai osé parce qu'on était ensemble et que je voulais faire un test. Mais ça me fait un petit peu relativiser, me dire que peut-être dans la vie perso, j'utiliserai. À voir. Est-ce que j'aurais des conseils pour commencer à oser? Essaye chez toi. Franchement, maquillez-vous le dimanche, même si vous ne sortez pas avec le make-up. C'est aussi une question d'appropriation du make-up. Du geste, de vous voir avec quelque chose de différent de votre routine habituelle. Il y a Yasmine qui me demande des conseils parce qu'en fait, elle a des paupières fermées et du coup, quand elle veut faire un maquillage, ça se voit pas trop. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, t'as pas énormément, t'es un petit peu comme moi, hein, c'est que on n'est pas à plat en fait comme ça. Et quand on ouvre l'œil, le make-up qu'on a fait là se voit pas. Enfin, il se voit pas pour nous parce qu'on se regarde droit dans la glace, mais t'inquiète pas, il se voit pour les gens quand, parce qu'en fait, on cligne beaucoup des yeux en parlant. Et du coup, les gens vont quand même voir ton make-up. Donc déjà, pas d'inquiétude. Ça sert pas à grand-chose de le monter après trop haut ou trop vers le sourcil parce qu'après, ça fait un peu too much. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est peut-être de tenter plutôt des liners. Alors bizarrement, tu vas dire, ouais, mais liner, c'est encore plus petit, ça va moins se voir. Mais en fait, ça apporte plus de précision, plus de définition. Et peut-être que du coup, ça risque de capter un petit peu plus le regard et d'être un petit peu moins fouillis que vraiment un œil entier avec des dégradés, etc. À voir, à tenter. Lorraine, tu me dis, c'est ce que je fais, voilà, je fais un très beau teint. Ouais, d'ailleurs, on va continuer le teint. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être là et merci pour vos commentaires. Pour celles qui ont rejoint, en fait, je teste un rouge à lèvres de chez NARS que j'ai piqué au hasard, comme je fais pour tous mes lives. Je pique un produit au hasard ou qui me fait un petit coup de foudre dans mon stock, enfin, voilà, mes boîtes, entre guillemets. Et celui-là, il s'appelle Aya. Voilà. C'est un rouge à lèvres crémeux qui est hyper pigmenté, qui est pas mat, hein, comme vous voyez. Mais du coup, c'est intéressant parce que avec les couleurs foncées, que des fois, quand c'est trop mat, il y a un côté un peu genre, voilà, un petit peu plat. Et là, on voit qu'il y a quand même du relief et tout. Donc j'aime bien. Bon, je chatte, mais là, je vais finir mon teint. En fait, j'avais sectionné cette petite palette de chez Tom Ford. Alors, Tom Ford, ça coûte une blinde, mais c'est des produits qui sont magnifiques. Et en fait, là, il y a un highlighter et un blush. Et je pense que ça va super bien se marier avec ça. Donc, j'ai pris ce petit pinceau de chez MAC. Je trouve super mignon. Avec un côté blanc synthétique. Et de l'autre côté, je pense que c'est un poil naturel. Peut-être c'est du synthétique, mais bon, qui est un petit peu plus souple. Donc, en fait, je vais appliquer l'highlighter avec lui et le blush avec lui. Allez, on vire les lunettes. Toujours cette lumière qui est un peu trop forte. Je suis désolée. Aussi, comme je disais tout à l'heure, j'avais une configuration pour être en mode paysage. Et là, on m'a forcé à passer en portrait. Voilà, avec le téléphone. Je viens de changer d'iPhone, c'est peut-être pour ça. Peut-être que j'avais bloqué, entre guillemets. C'est canon, ça, non? Yes or nay? Moi, je dis yes. Ouh! Pour les châtains, c'est mieux de prendre un highlighter doré ou rosé.
Ben, châtain, t'es châtain, mais t'as la peau plutôt foncée. Est-ce que t'as la peau un petit peu dorée déjà à la base? On aime bien cet highlight. Vous pouvez en mettre ici aussi de l'highlighter, pas au milieu du front, parce que ça fait trop brillant. Mais ici, ça fait comme une ombre, en fait, ça ouvre un peu le regard. Ouais, il en voit grave. Donc je tourne mon pinceau et je vais prendre le blush rose. On va voir ce que ça donne. Après, je sais pas si vous aviez vu mon live sur Instagram avec le blush de Claudia Schiffer. Mais maintenant, je flippe tellement avec les blushs parce qu'il était... Bah voilà, celui-là, pour le coup, il est vachement pas du tout pigmenté par rapport au Claudia. Mais le Claudia était tellement pigmenté, il m'a traumatisée. Du coup, là, je fais hyper gaffe en vidéo quand je mets des blushs. Alors, attends que je prenne un petit miroir de près parce que les filles, il faut quand même pas oublier que je suis myope. Donc là, je me vois vite fait dans l'écran, mais c'est pas non plus hyper précis. Ah oui, voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on ose une bouche foncée, on n'est pas obligé d'être systématiquement dans le complet, le look complet goth. On peut rester sur un teint hyper clean et lumineux comme celui-là, avec même du rose et le descendre en fait quasi jusqu'au bas de la joue ici. C'est ce qui fait un effet un petit peu plus naturel. Enfin, on l'a vu beaucoup sur les podiums, sur les défilés d'automne-hiver 17-18 et même encore sur le printemps 2018. Donc ça va se voir beaucoup en fait, le blush qui descend comme si on avait trop couru. Moi, ça me rappelle un peu le teint piste d'athlétisme, cours de sport du lycée, quoi, quand on a bien trop couru. Et voilà, donc c'est un teint un peu d'enfant qui aurait vogué dans la nature. Et on en a vu beaucoup sur les défilés. Je remets mes lunettes pour un petit check et voilà, je vous montre ce que ça donne. Pour info, le blush, je sais pas comment il s'appelle parce que c'est un testeur que j'ai eu. Et donc, il n'y a que des codes derrière. Mais je pense que visuellement, vous pourrez le retrouver. C'est un Tom Ford. C'est pas donné, mais c'est des super textures. Et là, honnêtement, vous avez vu, j'ai vraiment vu l'effet et le rendu qu'il y a. J'en ai pas utilisé des tonnes. Donc, voilà. Mais ça me... J'aime bien. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être même le garder pour finir ma journée avec. Alors, désolée, je vous ai un petit peu raté en mettant le blush. Pas trop... Ah oui, Lorraine, donc t'es pas trop dorée et t'es plutôt blanche. Et t'es châtain. Je te conseillerais de prendre quand même un highlighter un peu champagne, c'est-à-dire qui est une base dorée mais légère, mais pas un highlighter trop bronzant non plus. Tu vois, il faut pas que t'ailles vers le doré cuivré parce que ça risque de dénoter un petit peu. Mais par contre, ne va pas non plus vers le trop rose blanc parce que pour le coup, ça va faire un peu trop... pas fantomatique, mais tu vois, ça risque d'être un peu trop contraste avec ta peau et pas surtout pas dans tes tonalités de teint. La tendance couleur rouge à lèvres en hiver. Tu sais pas quoi choisir. Alors là, ça, le chocolat, ça s'est vu énormément. Plus forcément trop le rouge noir bordeaux, mais le chocolat marron. Parce que cette couleur-là, ce qui est intéressant, c'est que elle a pas... Enfin, là, elle sort un petit peu rouge à l'écran. Mais vous voyez, sur la bouche, elle sort quasiment aussi neutre que mon pull qui est dans les taupes, les marrons, que les bouts de bois derrière et tout. Donc ça, c'est super tendance cet hiver. Alors, Yasmine a une question super technique. Si j'ai déjà eu des boutons de fièvre, mais je ne sais pas comment maquiller mes lèvres quand j'en ai. Rien, nada. Vous ne touchez à rien quand vous avez un bouton de fièvre. Vous prenez un stick hydratant neuf. Vous vous hydratez à mort, vous buvez beaucoup d'eau. Vous traitez votre bouton de fièvre. Vous avez aussi des petits patchs qui sont assez efficaces. Mais ne maquillez pas. Surtout, n'appliquez aucun produit de make-up dessus. Parce que ça risque de contaminer votre make-up déjà et en plus ça va pas aider à soigner, donc voilà, vous hydratez et vous mettez votre crème pour soigner et vous jetez ce tube hydratant et vous laissez personne toucher à ce tube hydratant pendant tout le temps où vous avez encore ce bouton de fièvre. Voilà, pas de make-up, ça dure pas longtemps, il faut être patiente. Non, pas blanche, je suis normale, bronzée en vacances. Ouais, ben un highlighter champagne, c'est bien, Lorraine, ça va être canon sur toi. Il y a Adèle qui me demande si j'ai un correcteur à lui conseiller pour commencer à te maquiller. Est-ce que tu as besoin de corriger certaines petites imperfections
Ou est-ce que c'est plutôt pour faire un teint avec ton correcteur, Adèle? Si c'est juste pour camoufler certaines imperfections, en gros, si tu as des boutons et que tu veux juste camoufler les boutons, je te conseille celui-là, le secret camouflage de Laura Mercier. Si tu veux t'en servir pour faire un petit teint léger, je te conseille le Accord Parfait de L'Oréal. C'est celui-là. Ça, c'est un anti-cerne slash correcteur. Et en fait, moi, j'utilise pour faire des teints légers avec. Un mascara pas cher à conseiller, le Paradise L'Oréal. Si tu me suis un petit peu, je suis à fond dessus en ce moment. Donc, voilà. Attends, il doit pas être loin dans ma trousse. Il est là. D'ailleurs, tu vois, il est tout bien, bien sec. Là, faut que j'en rachète un. Ça fait 2 fois que je le dis. Je suis vraiment. Est-ce que ça vous fait ça? Vous vraiment vous utilisez votre mascara jusqu'au bout et même quand il est encore sec ou on sent que ça lift les cils. Hein. Donc le Paradise L'Oréal, tu as. Ça, c'est un volumateur vraiment. Tu vois, qui va donner des cils comme ça. C'est celui que j'ai mis tout à l'heure. Avec pas mal de densité, tu vois, presque enfin, un effet un peu faux cils. Et sinon, si tu cherches plus du cils à cils, vraiment un côté plus défini, je te conseille le cils sensationnel de Maybelline. Parce qu'en fait, il est en plein de petits picots en synthétique. Ça, c'est plutôt une brosse, mais pas du peigne. Et le cils sensa, il a donc des picots synthétiques, il va vraiment, genre, bam, étirer et te faire des cils hyper longs. Aurais-tu une base de fard à paupières à me conseiller? En fait, je te conseille un fard à paupières en base. C'est le Painterly de chez MAC et ça s'appelle Paint Pot. En fait, c'est des fards. Alors là, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est des fards dans un petit pot en verre. Et c'est des fards crème que tu appliques et qui vont sécher et qui vont être quasi waterproof, en fait, longue tenue. Et le Painterly, il a la super teinte pour faire une base. Céline qui me demande, coucou, couleur de blush pour moi, qui est des taches de rousseur sur le visage. Alors, surtout, cache pas tes taches de rousseur, c'est trop trop canon. Et je te conseille un blush plutôt pêche. Pas trop corail, pas trop rose. Plutôt, voilà, un pêche, clairement. Tu peux aussi essayer des textures crème qui se fondent un petit peu dans la peau. Ça, selon ton type de peau, ça peut être pas mal. Bon, en tout cas, vous êtes vraiment au rendez-vous, donc je suis hyper contente. Merci d'avoir aussi posé toutes ces questions parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de chit-chatter avec vous. Il y a encore une autre question, pardon. J'ai pas de base pour les yeux. Tu penses qu'utiliser chaque jour un anti-cerne assèche les paupières? Pas d'anti-cerne sur les yeux, les filles, s'il vous plaît. Déjà parce qu'en fait, c'est fait pour cette muqueuse-là qui n'a pas de mouvement et pas pour cette muqueuse-là qui fait des mouvements. Donc en gros, si vous mettez un anti-cerne en base, vous allez avoir le pli là, le pli palpébral qui va tout le temps se marquer. Et vraiment au niveau de cet endroit-là, là. Et puis vous allez vous plaindre d'avoir les paupières grasses, entre guillemets, etc. Et quand vous avez posé des fards à paupières, ben, ils vont toujours marquer ici. Donc voilà, franchement pas d'anti-cerne. Et en plus, c'est possible que ce soit asséchant. J'en ai pas mis assez pour te dire de mon expérience perso. Mais allez plutôt sur une base, voilà, il y a aussi la base sur Urban Decay qui est très bien, ou le Painterly en Paint Pot de chez MAC que j'utilise perso. Je me demandais pourquoi j'avais toujours du fard entre mes creux. Mais oui, c'est pour ça, pas d'anti-cerne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeuses, il y a beaucoup d'influenceuses qui se maquillent et qui même mettent du fond de teint sur la paupière, du fond de teint sur la bouche. En fait, il faut. Voilà, je conseille pas du tout. Pourquoi? Parce que sur votre bouche, ben, ça va corrompre le produit que vous allez mettre par-dessus. Un produit, il est fait il est formulé pour être pur et pour être appliqué sur la peau telle qu'elle est. Ou au pire, quand c'est des produits teints, c'est formulé pour accrocher aussi sur un fond de teint et tout. Mais en fait, ça vous fait une couche dont vous n'avez pas besoin. Un produit intermédiaire qui va venir éventuellement corrompre l'effet d'un produit qui a été designé pour rendre selon une certaine manière. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tes fards tiennent jamais du coup. Bah ouais, c'est QFD. Bon, bah écoutez, en tout cas, là, je vous ai donné. Bah, mais Yasmine, de rien, c'est avec grand plaisir.
Voilà, je crois que je vais vous laisser parce qu'au final, ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. Donc moi, je suis très très bien. En plus, je suis près de mon feu là. Alors, c'est pas chez moi. Je vais squatter un peu les cheminées, peut-être à travers le monde, j'espère. Si vous avez une cheminée et que vous voulez que je vienne tourner chez vous, pourquoi pas. Mais voilà, je vais squatter un petit peu les feux ce mois de décembre. Je trouve ça assez marrant. Je sais pas si je vais y arriver. Hein, c'est un projet dont j'avais pas du tout calculé. Mais... À Lorraine, par contre, tu m'as pas dit si on pouvait t'avoir pour des conseils pro. Je fais pas beaucoup de consultations de particuliers, mais ça peut arriver. Après, ça dépend des plannings et des opportunités. Merci. Ben, merci à vous toutes. Merci Yasmine, Carré, Camille, Lorraine, et puis toutes les autres aussi d'avoir été présentes pour ce live. Je vous fais des gros bisous. Pour récapitulatif, je faisais un petit test dans lipstick couleur cacao. C'est un art qui s'appelle Aya. Et voilà, on a mis un petit coup d'highlighter, un petit coup de blush, histoire d'être fraîche. Et voilà, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Je ne sais pas ce que vous faites, si vous êtes chez vous, dans les transports, ailleurs, etc. Mais je vous souhaite une super belle soirée. Et je vous dis à très très vite. Des bisous, ciao.